Cette vidéo va être assez simple. Nique la nouvelle année. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre c'est quoi cette obsession avec la nouvelle année. Qu'est-ce qui se passe en fait dans votre vie pour que vous dites « Oh, c'est la nouvelle année, ça y est, j'ai changé ma vie ». Je comprends pas en fait ce qui se passe. Au final, la nouvelle année, ça représente rien. La nouvelle année, c'est juste un jour qu'on a décidé qui serait le début d'un nouveau cycle sur un papier, de façon à gérer des tâches administratives et pouvoir répertorier les choses. Mais le fait que ça soit la nouvelle année, ça change absolument rien à la vie de personne. À part que tu vas mourir dans un peu moins de temps, c'est juste ça. J'en ai marre en fait d'entendre les gens me dire « bonne année, bonne santé ». Je veux dire, c'est cool, c'est génial et je vous remercie parce que ça fait toujours plaisir de recevoir un petit peu d'attention et de la gentillesse. Mais si t'as des rêves, si t'as des ambitions et des objectifs à atteindre, j'espère que tu vas arrêter de dire « bonne année » et tu vas dire « bonne journée ». Parce que commencer à faire des choses nouvelles, c'est pas une décision que tu prends sur 5 jours au début de ta nouvelle année. C'est une décision que tu prends tous les jours, de façon quotidienne, sur une durée de temps illimitée, jusqu'à ce que tu atteignes cet objectif. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que j'en ai marre d'entendre « bonne année », d'entendre toutes vos putains de résolutions de bonne année. Tu n'as pas besoin d'attendre la bonne année pour prendre tes résolutions ou changer des choses dans ta vie. Si tu as envie de faire des changements dans ta vie, tu peux le faire maintenant. Attends pas que personne te dise oh, « c'est la nouvelle année, hey, on va tout changer à ma vie, new year, new me, hey !» Tout ça, c'est qu'un ramassis de conneries. Si tu as envie de changer des choses dans ta vie, fais-le maintenant, parce que personne d'autre le fera pour toi. Sinon, je fais des vidéos pour essayer de motiver les gens de temps en temps. J'espère que ça t'a motivé. J'essaie de me qualifier aux Jeux Olympiques. Et pour moi, c'est pas parce que c'est la nouvelle année que ça va changer comment je vais m'entraîner et ce que j'essaie de faire tous les jours. J'espère que cette vidéo va t'aider à comprendre un petit peu ça. Et sinon, après, c'est bien aussi de se retrouver en famille, tout ça. Et c'est important. Mais personne ne s'occupera de réaliser tes objectifs pour toi. Donc fais-le maintenant. Et sinon, bonne année.